vidéo des énergies du mois de juin 2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage. Je fais un petit aparté avant de commencer mes tirages parce que je change la formule de mes vidéos du Zodiac. Alors ça s'adresse évidemment davantage aux personnes qui me suivent depuis longtemps. Voilà, c'est un petit commentaire. Voilà, alors les vidéos du Zodiac telles que je les pratiquais antérieurement me parlent moins, ce qui fait que je préfère changer de formule, me recentrer uniquement sur le tarot et sur un arcane majeur en plus de mon rider. Voilà, donc les tirages devraient être plus courts, peut-être plus synthétiques. Je teste un type de tirage sur cette vidéo, j'espère qu'il vous parlera. Il est possible qu'il évolue dans les mois à venir. Voilà, c'est un nouveau départ et j'espère que ça vous plaira. Alors cela implique que je change également le décor. Je ne peux pas faire de décor sympa pour ces vidéos, tout simplement parce que quand je fais 12 vidéos, c'est relativement chronophage, ça s'étale un petit peu dans le temps et ça me bloque pour d'autres vidéos. Donc pour les vidéos du Zodiac, malheureusement, je ne peux pas faire un décor sympa. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment alors déjà à vous abonner, merci beaucoup. Et puis aussi à aller voir les autres vidéos que je fais où je prends le temps de soigner davantage le décor. Voilà, allez c'est parti, je vous souhaite une très belle vidéo et de belles énergies pour le mois de juin 2021. Merci. Votre tirage pour juin 2021. Alors, l'énergie qui vous accompagne au cours du mois et qui vous soutient, qui vous soutient avec la maison Dieu, c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est la maison Dieu. Ça veut dire que c'est l'intervention du divin dans votre vie pour remettre en cause certaines choses qui ne devaient plus être. Alors, il va y avoir deux possibilités. Soit vous êtes conscient de tout ça et c'est vous qui allez prendre les devants et sauter par la fenêtre en disant « bon, je m'en vais de là où je suis parce que vraiment ça va plus et je dois vraiment changer des choses dans ma vie. » Soit c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, eh bien, il va y avoir des événements qui vont faire que, de toute façon, vous ne pourrez pas continuer dans la situation telle que vous la vivez. Parce qu'il y a des croyances à détruire, des choses qui vous ont structuré, qui vous ont apporté peut-être un bien-être dans le passé, mais avec lequel vous ne pouvez plus avancer maintenant, qui vous enferme en fait, qui vous emprisonne. Donc voilà, la maison Dieu apporte une libération, mais elle peut être un peu difficile à vivre. Il ne faut pas se le cacher. Voilà. Alors, ça peut être aussi peut-être une illumination. Ça peut être ça. Mais dans ce cas-là, elle est aussi fracassante. Voilà, c'est... Bon, enfin, voilà. Alors... L'illumination, d'ailleurs, vous arrivez au début du mois avec le page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est quelqu'un qui veut tout savoir, vous voyez. Donc, il mène l'enquête, il veut contrôler certaines choses, il est curieux, il a envie d'apprendre, mais il est très méfiant. C'est quelqu'un qui cherche des réponses, qui veut comprendre les choses. Voilà, vous arrivez dans le mois, donc vous avez très certainement un gros questionnement sur vous. Au cours du mois, et ce que vous souhaitez le plus ici, c'est faire une pause, c'est déjà pouvoir profiter un petit peu de ce que vous avez acquis. Donc je pense quand même que vous êtes un peu fatigué, on le voit, vous avez un 10 d'épée de bâton là sur le tirage. Je pense qu'il y a une fatigue, il y a un ras-le-bol par rapport à quelque chose et que vous voulez profiter un peu de la vie, faire une pause en ce moment parce que ça a été dur, très certainement. Mais effectivement, je pense que si vous êtes fatigué, c'est certainement parce que la situation dans laquelle vous étiez précédemment ne convenait plus. Et donc, vous vous êtes épuisé
sur certaines choses. Vous voyez, comme on arrive en bout de course, au bout d'un moment, on perd de l'énergie dans certaines situations parce que bah voilà, le projet a duré trop longtemps et puis on s'essouffle et puis voilà. Et évidemment, si on peut repartir sur quelque chose de nouveau, eh bien on reçoit de l'énergie nouvelle et on a la pêche à nouveau. Et là, c'est pas ça encore, d'accord? Là, je pense que vous étiez enfermé dans certaines choses, ce qui fait que bah, vous êtes un peu épuisé énergétiquement, à mon avis. Voilà. D'où le besoin d'illumination, d'aller chercher des compréhensions, d'aller chercher autre chose. Alors, votre atout pour réussir à faire cette pause, alors, étrangement, c'est une épreuve. C'est une forme d'amertume. Il y a quelque chose qui va peut-être un peu vous casser les pieds ou vous allez devoir aller chercher quelque chose. Donc, il y a un défi à relever, un challenge à relever. Et ça, c'est votre atout. Alors, c'est très étrange parce que vous voulez, donc je vais en remettre une, je me suis dit que j'allais en remettre une, parce que vous, ce que vous voulez, c'est profiter. Et là, on me le met comme atout, on met l'épreuve comme atout. Alors, est-ce qu'il y a une épreuve qui va faire que, au bout d'un moment, ça va être vraiment trop, c'est trop, et du coup, vous allez vous arrêter, faire une pause et regarder ce que vous avez déjà acquis en vous disant, bon, bah, c'est déjà bien, c'est pas la peine que je continue à me battre bec et ongles pour tout un tas de choses alors que j'ai déjà tout ça, voyez? C'est possible que voilà, ce 9 d'épée voudrait, ce 9 de bâton voudrait vous dire ça. On va en remettre une. J'aurais peut-être dû prendre mon 9 tarot. Tant pis, c'est fait. Ouais. L'impératrice. L'impératrice. Alors, je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a une maman qui vous casse les pieds. C'est possible. D'accord? Ça peut être ça, une épreuve par rapport à une maman. Ça peut être votre rôle de mère aussi qui est difficile à assumer. Ça peut être aussi une difficulté à gérer votre part yin, c'est-à-dire votre émotion, votre côté féminin. Donc ça peut parler aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Voilà, mais ça nous parle aussi de créativité, hein. Évidemment, l'impératrice, c'est aussi la créativité, ce qui fait qu'il peut y avoir un projet créatif qui va un peu vous peser ou qui va vous demander de sortir de votre zone de confort. Voilà. Mais ça ne vous dispense pas d'une éventuelle difficulté à gérer avec une femme imposante en fait. Une femme qui a du tempérament. Alors c'est pour ça que je vous dis ça peut être une maman, mais pas forcément. C'est pas forcément une maman. Voilà. Enfin, il y a une difficulté par rapport à cette femme. Voilà. Alors, Ah, mais non, vous étiez sur... Ça, c'était l'atout. Alors, pourquoi je vous ai dit qu'il y avait une difficulté? Ben si, parce qu'en fait, ça, c'est une difficulté. C'est ça qui est bizarre, en fait. C'est ça qui est très étrange, c'est que c'est la difficulté qui est votre atout. Donc, ne vous laissez pas duper, parce que là, franchement, on pourrait s'y perdre, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous sembler trop difficile, épuisant, ras-le-bol, etc. Et en fait, c'est ça qui va vous apporter, alors soit, bah, du coup, une très belle femme, de meilleurs rapports avec votre maman, ou un projet créatif très prospère, voilà. Ça, une maternité, ça peut être ça aussi pour certaines d'entre vous. Voilà. Alors, votre frein pour pouvoir profiter un peu et faire une pause, c'est le pendu. C'est que vous avez du mal à changer de point de vue. Il y a quelque chose qui fait que vous vous attachez à un passé, à d'anciennes habitudes, etc. Et que c'est un peu difficile de vous faire voir les choses sous un angle différent. Peut-être que certains d'entre vous sont dans le sacrifice, sont dans une énergie de sacrifice, ce qui n'est pas étonnant parce qu'un 7 de denier, vous avez beaucoup travaillé. Et du coup, bah, vous avez peut-être du mal à arrêter de vous sacrifier tout simplement et à voir que vous avez déjà acquis tout un tas de choses. Alors, d'ailleurs, alors, à la fois, vous le voyez pas, c'est assez étrange. Ici, c'est ce que vous voyez venir et ce dont vous êtes conscient. Alors, soit vous savez que vous êtes en train de construire un patrimoine solide, d'incarner les énergies du roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un de stable, de fiable, très en contact avec la nature, de chaleureux, mais c'est le bon père de famille, bienveillant.
C'est aussi quelqu'un qui va faire fructifier ses affaires, qui est très attaché à la matière, qui est dans la sagesse. Voilà. Donc ça, je pense que ça peut faire partie de vos objectifs et ça peut être aussi que vous savez que vous avez ce potentiel et que ça arrive et vous en êtes conscient. Par contre, ce que vous ne voyez pas, c'est soit que vous êtes rattaché à des énergies familiales, soit, alors peut-être que vous travaillez sur le plan transgénérationnel en ce moment, c'est-à-dire que vous nettoyez des choses pour votre famille, c'est possible. Ça peut vouloir dire aussi que, y a un héritage dont vous pourriez bénéficier et que vous ne soupçonnez pas. Certaines personnes vont avoir ça. Ça peut vouloir dire aussi que vous n'êtes pas conscient que ce que vous possédez déjà, c'est amplement suffisant pour pouvoir le transmettre. C'est-à-dire que vous avez une richesse là, une grande richesse, et vous ne la voyez pas. Vous n'en êtes pas conscient. Alors peut-être que vous allez prendre conscience justement que vous avez beaucoup plus de matière que ce que vous aviez imaginé. Voilà. C'est vous, vous avez l'impression que vous avez déjà un peu quelque chose et qu'il faut faire une pause, que vous en avez ras-le-bol. Mais faudrait profiter. Mais je pense que vous ne voyez pas que vous avez plus que ce que vous pensez, en fait. Alors après, vous adaptez. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est du bien-être? Est-ce que c'est un potentiel sur le corps physique? Ça peut être plein de choses différentes, hein, les deniers. Voilà, donc vous essayez d'adapter à votre situation, bien évidemment. Alors, sur le plan financier, ben justement, vous êtes encore dans l'épreuve, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ici, vous arrivez en fin de cycle, mais vous avez vraiment ras-le-bol. Donc, je pense que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses sur le dos. Je vais en remettre une pour savoir si ça va payer quand même, hein, parce que là, vous avez certainement beaucoup donné de vous-même pour être là où vous êtes. Alors, est-ce que ça va payer? Est-ce que ces épreuves vont payer sur le plan financier? Bon, qu'est-ce qui se retourne? L'indépendance. Vous allez peut-être changer de voie. Ou arrêter de vous prendre la tête, surtout. Je pense que c'est plutôt ça. Est-ce que ça va payer? Vous avez du mal, hein? Pas sûr. Pas sûr parce que vous. Alors, on ne me dit pas si ça va payer, mais ce qu'on montre, c'est que vous allez être angoissé, en fait. Donc, vous restez quand même sur quelque chose de difficile sur le plan financier. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas payer. Ça veut dire que vous aurez l'impression que ça ne paye pas assez, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Ensuite, sur le plan professionnel, vous avez l'amoureux. Donc, vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Vous avez une opportunité, très certainement, pour vous engager. Mais ça veut dire qu'il faut décider de quelque chose. Et si on me le montre ici, c'est une décision importante, hein, parce que c'est un arcane majeur. Donc c'est quelque chose qui est certainement difficile pour vous. Un choix entre, a priori, entre deux professions, hein, ou deux contrats, ou deux employeurs. Voilà. Sur le plan sentimental, vous avez le pape. Alors, le pape peut vouloir dire plusieurs choses. Si vous êtes bien en couple, ça peut nous parler d'engagement. Ça peut nous parler aussi d'être en contact avec un homme très rassurant, très père de famille. C'est vraiment le mari, je vais dire le mari idéal. Je ne sais pas ce que c'est le mari idéal, hein, mais bon, en théorie sur le papier, on va dire, hein. Disons que voilà, ça pourrait être quelqu'un de sérieux, de stable, de fiable. Voilà. Alors après, c'est pas quelqu'un de super drôle et c'est quelqu'un d'assez rigoureux. Donc ça peut être cette énergie qui est autour de vous. Peut-être que vous êtes vous-même dans cette énergie, c'est-à-dire que vous tirez des leçons du passé et que vous avez peut-être envie de vous engager sur quelque chose de plus structuré, de plus posé. De moins immature en fait. C'est une sagesse en fait le pape. Donc on va voir ce qu'on me redonne d'autre. Oh, ça arrive à l'envers. En même temps, j'ai tenu le jeu à l'envers. Donc dans ce cas-là, ça arrive à l'endroit. Le cavalier de bâton. J'en remets une parce que le cavalier de bâton, il m'en dit pas beaucoup plus. Cavalier de bâton, il dit que vous avez envie de suivre vos passions,
aux pulsions. Mais comme le pape, lui, il ne fait pas ça du tout, ça nous embrouille. Le pape, il maîtrise ses pulsions, ses passions. Alors peut-être que vous tirez des leçons du fait d'avoir... Oui, il y a de nouvelles opportunités. Alors j'ai quand même l'impression qu'il pourrait y avoir près de vous l'énergie d'un cavalier de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui a du désir pour vous et qui présente quelque chose. Voilà. Mais il est possible aussi que vous ayez envie de créer quelque chose de concret dans la matière, de structurer, vraiment d'organiser et en étant à l'écoute de vos désirs. Voilà. Vraiment à l'écoute de vos désirs. Vous avez du feu, peut-être pour quelqu'un. Peut-être. C'est pas l'amour, c'est la passion. C'est pas la même chose. Et voilà. Alors, l'énergie dans laquelle vous êtes en fin de mois, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée nous dit que vous tirez bien votre épingle du jeu, je pense. Vous êtes peut-être un peu dans la froideur, un peu dans le contrôle, mais vous êtes très certainement alors, dans la bonne dynamique pour organiser les choses dans votre vie et ne pas mettre l'énergie là où il ne faut pas. Vous êtes dans un apaisement avec le roi. Il y a une sagesse derrière le roi. Il est très calculateur, le roi d'épée, donc il sait ce qu'il fait en fait. C'est surtout ça. Donc en fin de mois, je pense que, voyez, vous partez d'un page d'épée à un roi d'épée. Donc, vous avez forcément une évolution, vous tirez des leçons, vous apprenez, vous grandissez au cours du mois. C'est pas étonnant puisque de toute façon, avec la maison Dieu, l'univers va pas vous lâcher. Voilà. Alors après, ben, certains peut-être d'entre vous, certaines aussi, peuvent être dans l'énergie négative. C'est-à-dire que ce que je vous disais en début de tirage, c'est que si vous ne comprenez pas les blocages qui sont en vous, eh bien, c'est l'univers qui va vous les faire comprendre. Mais ils vont venir fracasser ce qui vous rassure en théorie, parce qu'en pratique, ça ne vous rassure pas, mais on a l'impression que ça nous rassure en fait. Donc l'univers va venir fracasser ce qui semblait vous rassurer, ce qui fait que derrière, on peut être, si vous êtes complètement déstabilisé par ça, que vous laissez complètement surprendre par la maison Dieu. En gros, vous travaillez peu sur vous. Alors, a priori, vous n'êtes pas dans ce genre d'énergie, mais peut-être que vous regardez la vidéo pour une autre personne. Le roi d'épée, il peut être dans un contrôle absolu des choses, une manipulation. Ça peut aller jusqu'au pervers narcissique, le roi d'épée. Donc, c'est voilà, si la personne ne travaille pas sur elle et ne réussit pas à comprendre les messages que l'univers lui envoie, eh bien, elle peut renforcer ses énergies de contrôle, être de plus en plus contrôlante, de plus en plus froide, de plus en plus dure à vivre, en fait. Hein. Ça peut être ça aussi. Voilà. Mais bon, c'est pas ce que je vous souhaite. Hein. Je pense que vous allez travailler les choses autrement, mais vous verrez si ça vous parle ou ça peut être quelque chose qui est sous-jacent, qui remonte de temps en temps, pas forcément tout le temps. Voilà. Alors les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura apporté des compréhensions. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Et si je ne vous réponds pas rapidement, c'est que je n'ai pas de place en guidance. Je n'échange pas de mail avec les gens, sinon ça ne sert à rien en fait. On n'y arrive pas, je réponds aux gens quand j'ai un créneau à proposer. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un beau mois de juin. Merci, bye bye.